Je présente toutes mes condoléances aussi à la famille de l'élément des forces spéciales assassiné. Voilà, parce que on ne sait pas comment il est mort, c'est à cause qu'ils n'ont pas fait de grandes communications là-dessus, en tout cas en ce qui me concerne. Allez. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais. Ok. Donc, nous allons écouter ça rapidement. Je voulais dire merci à l'artiste en question. Nous allons l'écouter. Nous allons l'écouter. Nous allons répondre à M. Baouri et nous allons aussi parler de Boglan Aba. Donc écoutons cet artiste-là. Je pense qu'il nous avertit. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du Comité national de l'Assemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat. Disons merci parce qu'il a tout résumé. Excusez-moi, mon frère Ablaïev, il n'a un goré, petit frère, il n'a un goré, même si. Attendez, c'est Ablaï, comment tu t'appelles même? Ablaï, c'est Ablaï. Hein? Comment? Attendez, excusez-moi une minute. Abdulbal de IFDG, toi aussi tu dors pas quoi. Abdulbal de IFDG, il a un gorélan, c'est-à-dire je suis plus âgé que toi. Mais je vais te dire une chose, tu vis en Côte d'Ivoire, mais je vais chercher à joindre un responsable de l'IFDG Côte d'Ivoire. Il va t'expliquer que je ne suis pas ton camarade, il a un goré. La femme, il a un goré.
Je vais pas te remettre à ta place parce que Haïti pas connaît à qui. Je vais pas. Peut-être tu veux me distraire ou bien faire la yawa. Tu veux te foutre de moi parce que tu l'as fait une fois un poste là, je t'ai dit. Et je pense que tu viens sur ma passe pour manquer de respect. Tu viens sur ma passe. Tous ceux qui connaissent Abdul Balde, IFDG, je voudrais que vous le conseillez. Il vit en Côte d'Ivoire. Tu vis en Côte d'Ivoire, je te connais très bien. Donc, tu n'es pas obligé de me suivre. Tu as vu, tu postes tes choses là, je ne commente pas. On était amis, moi, je t'ai bloqué depuis longtemps. Donc, ne viens pas sur ma page manquer de respect. C'est la dernière fois, la dernière fois, la dernière fois, on m'a averti, soudain. Stade Andy Gorko, il faut venir sur ma page manque de respect. Je vais te faire corriger. Il n'y aura même pas de secret pour ça. Je te le dis, prends ça comme une menace. Et tout le monde comme menace. Tu vis en Côte d'Ivoire, je connais tout ce que tu fais. Ça, il y a 8 ans, je vais te faire corriger en Côte d'Ivoire. Comme il y a un gorego, nous ne sommes pas camarades. Tu as compris? Ok. Donc, bonsoir à tout le monde. Vous l'avez écouté. Vous connaissez le jeune homme en question. Vous le connaissez très bien. Ce qu'il dit ici est une réalité. Il dit d'appeler les pompiers. D'appeler les pompiers. Les pays en danger, d'appeler le pompier, parce que les pompiers là, qui est le pompier? Hein? Qui est le pompier? Notre frère Salim Kaba, il faut le, c'est un jeune qui est très impoli. Il est très impoli. C'est pas parce que tu as grandi en Côte d'Ivoire que tu vas montrer ton éducation. Je vais rien dire. Andalango, tu ne me connais pas. Peut-être tu te dis que, là, tu te dis que peut-être, quelque part, comme tu as écrit Ablaye IFDG Baldé. Ce n'est pas lié à la seule d'Alain, ni au parti politique. Ça, il y a eu qu'elle a mis Sofinte, comme il y a la main. Mais là, ben, que Sofinte, dans Côte d'Ivoire, là, il va filmer, mettre sur les réseaux. Si vous avez la fatour, comme il y a la main. C'est moi qui te le dis. C'est la deuxième fois que tu manques de respect. Une fois sur ma page, et encore ici. Il n'y a pas de souci. Donc, il dit que le pays est en danger. Excusez-moi. Je vais aider un peu les gens là. Voilà. Vous comprenez? Non, ne commentez pas. Non. Ne commentez pas, s'il vous plaît. Ne commentez pas les faux comptes. Je voudrais vous dire ceci, s'il vous plaît. Quand vous voyez des faux comptes, c'est-à-dire vous voyez des comptes où il n'y a pas de photo, il n'y a rien, ne commentez pas. Laissez comme ça, s'il vous plaît. Parce que c'est des gens qui viennent avec des faux comptes pour manquer de respect ou nous distraire. Donc, et puis dès que vous répondez, ils prennent vos réponses, ils envoient à Facebook et puis on bloque vos comptes. C'est pas la peine. Je voudrais d'abord dire merci aujourd'hui à tous les militants et sympathisants de tous les grands partis politiques et la société civile. Parce que la société civile aujourd'hui, la société civile dirigée par Sékou Koundouné aujourd'hui, Sékou Koundouné aujourd'hui est en train de nous mener à bon port. Nous félicitons tous les partis politiques, plus la société civile, surtout Sékou Koundouné avec le FNDC. Parce que nous avons vu le travail qui a été fait aujourd'hui. Les gens ont respecté le mot d'ordre. Vous avez vu que nous ne provoquons pas quelqu'un? Tellement que nous avons réussi notre manifestation qu'on appelle Ville Morte. Vous avez vu le poste de TV5 Monde. TV5 Monde, c'est-à-dire les télévisions et radios des pompiers, parce que dès qu'on parle des pompiers, les pompiers, c'est la France, c'est l'Union européenne. Ça, ce sont les pompiers. Comprenez son test. Il parle des pompiers. Les pompiers, parce que c'est après. Quand le pays va brûler, ils viendront pour asperger de l'eau pour dire non, ça va pas, attendez, on va dire comme ça. C'est eux qu'on appelle les pompiers. Surtout la France. Aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde. C'est la France qui supporte Doumbouya. C'est la France. Il est devenu même l'ambassadeur de la réconciliation entre la France et Kigali. Lui, Mamadou Doumbouya. Qu'est-ce que je voulais dire aux forces vives? Vous devez continuer à nous proposer des jours comme ça. Vous avez vu la ville morte.
Ça a été suivi. TV5 m'ont dit qu'une ville moto peut suivre. Ceux qui sont sur les motos là ne sont pas dans les activités économiques. Il n'y en a même pas. Vous prenez les images du petit soir de Conakry, vous montrez pour dire que le mot d'ordre n'a pas réussi. Et pourtant, ça réussit. Toutes les boutiques, toutes les activités étaient à terre. Donc, nous disons merci à la population du Grand Conakry. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous demandons encore une fois aux forces vives de continuer à nous proposer des villes mortes. Parce que, 1, 2, 3, 4 fois, vous ne verrez plus jamais d'activité économique. S'il vous plaît. Et nous disons merci, je dis sans exception, hein, que personne ne vienne dire après, non, c'est tel parti politique, tel. Comme nous avons vu lors de la manifestation, la route, qu'on appelle l'autoroute Fidel Castro n'avait pas respecté, mais ils ont reçu les doses. Heureusement, personne n'est venu me répondre. J'étais très clair. Bessia, Matoto, toute cette ligne-là. Restez dans vos maisons lorsqu'on demande de sortir. Nous allons nous battre pour équiper notre pays. Et en même temps, nous sommes en train de catégoriser les responsabilités. D'ailleurs, il y a un monsieur qui m'a donné raison du fait que j'ai ramassé Badra Kone ici. Badra Kone. On me dit que c'est très chaud à la T5. Merci beaucoup. Badra Kone, lorsqu'il est venu au tournoi Interstate ici, je l'ai ramassé. Il est parti rencontrer les gens pour m'appeler. Quand je suis arrivé, j'ai dit ce que je devais dire. Aujourd'hui, les gens ont compris, ils m'ont donné raison. Parce que moi, je connais les escrocs. Je connais les personnes à double visage. C'est clair et net. Ce que Deka dit là, pourquoi j'ai mis sa musique, il a le droit d'auteur. Mais ce qu'il a dit, il faut respecter ta parole. Alors, parce que les gens disent que tout va bien dans ce pays, mais alors pourquoi les gens crient? Pourquoi le peuple crie? Voilà un bonarien, un voré qu'on appelle Bogolan là-bas. Je suis désolé qu'il vienne nous dire carrément que la Guinée prépare les Jeux Olympiques de Los Angeles. Le monsieur, au lieu de venir nous faire le bilan, hein? Je vous dis, lorsque un ministre de la jeunesse et sport dit devant le monde entier qu'ils ont débloqué 23 milliards pour les Jeux Olympiques, par rapport à ce que nous avons vu, je ne sais pas où l'argent a été introduit. Parce que c'est ce qu'il a dit. Ils ont débloqué 23 milliards. 23 milliards ont été débloqués pour les Jeux Olympiques. Dans les 23 milliards, nous avons appris que nos athlètes n'ont pas été payés. Nous avons appris que les primes de l'équipe masculine n'ont pas été données. Cette prime est restée à Conakry. Parce que nous l'avons appris que quelqu'un devait rentrer à Conakry pour débloquer le chèque et faire le chèque et puis débloquer l'argent à envoyer. C'est le soir que notre CD a été éliminé. Et puis c'est resté comme ça. Différents entraîneurs n'ont pas reçu même l'argent des préparations. Vous savez, d'aucuns me diront pourquoi ils sont partis. Ils savent très bien. C'est parce qu'on les a promis. C'est comme ce qui s'est passé avec les étudiants. Boursiers d'État, on les a donné le billet d'avion. Arrivé là-bas, nous allons régler, l'argent arrive. C'est ce qui s'est passé. Bogolan a pas en poche, je dis en poche parce que c'est lui le ministre des Sports. C'est lui qui l'a dit qu'ils ont débloqué 23 milliards. Alors, le monsieur devait nous faire le compte-rendu de ces 23 milliards. Vous comprenez? Maintenant, vous avez vu notre stade, c'est déplorable. Et regardez, je voulais juste montrer le stade actuellement là. Nous sommes en pleine saison des pluies. En pleine saison des pluies. Regardez le stade Lancelin Conti. Regardez le stade. Vous vous rappelez, ils ont fait une cérémonie de lancement de la reprise
de la réflexion totale de ce. Regardez le stade aujourd'hui. C'est un ami qui est parti prendre les photos là. Regardez le stade. Regardez la pelouse du stade. Regardez. Un stade qui a été rendu en 2021. En 2024, c'est fini. Le stade est impraticable. Le monsieur nous parle des Jeux Olympiques. Et puis il ose nous parler de bilan. Lui, il ose parler de bilan. C'est ce qui me fait mal dans toute cette situation. Avec ça, les gens ont décidé de le supporter, de supporter Mamadi. Je ne parlerai pas de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce n'est pas important. Aujourd'hui, il y a des images où on était en train de distribuer de l'argent. C'est normal. C'est l'argent du pays. Distribuez. Vous êtes fâchés. Vous êtes fâchés du fait que les gens ont filmé. Qu'on a filmé. On a filmé des... Nous avons filmé. Les gens ont filmé. 20 000, 30 000 pour se mettre en ligne. On s'en va ramasser les contracteurs pour dire, ah, c'est le moment de venir se montrer devant le chef afin que vous obteniez vos matricules et autres. Là. Les gens ont fait pour aller. Vous n'aurez jamais de matricule parce que vous n'aurez jamais d'argent pour payer. Le gars compte sur cette élection pour valider parce que c'est ce qu'ils disent. Il devient président, il sera légitimé et les bailleurs de fonds vont recommencer à venir en Guinée. C'est ce qu'on vous a dit. Que lorsqu'il sera légalité, est légalisé, légitimé, que les bailleurs vont recommencer à venir. C'est ce que même la France dit. Parce que le mot d'ordre aujourd'hui du Quai d'Orsay, c'est-à-dire l'équivalent des affaires étrangères, aujourd'hui c'est pour dire qu'ils ne voient pas quelqu'un aujourd'hui avec cette situation de la Guinée qui peut garantir la sécurité. Mais est-ce que nous sommes en sécurité? C'est ce qu'aujourd'hui, c'est la note circulaire aujourd'hui au niveau des sans-salariés. C'est-à-dire Mamadi Doumbouya est devenu le garant de la sécurité de ce pays. C'est ce que les Français ont pris aujourd'hui comme mot d'ordre. Nous avons le terrorisme qui menace la sous-région. Donc aujourd'hui, la Guinée risque d'être extrêmement instable. Donc il vaut mieux qu'il reste à bord pour calmer parce que jusque-là, il contrôle le pays. Quand vous regardez le pays, frère Lamine Baronoué, quand vous regardez le pays, il contrôle le pays. Il ne contrôle pas le pays. Nous le disons haut et fort. Conakry ne se limite pas à Kaloum. Les gens pensent que Conakry c'est Kaloum. Conakry c'est pas Kaloum. Conakry c'est pas Kaloum. La Guinée ne se limite pas à Kaloum. Kaloum est une presqu'île. Ça ne se limite pas à Kaloum. Grand frère, salam alaikum, mon champion, Mkeren Tara, Escanté le prince, Bingeni Mantara. Donc, Monsieur Bogolan Abba, voilà ce que vous dites avant que je continue rapidement. Voilà ce que vous dites aux Guinéens. C'est toi qui le dis, hein. Que depuis que nous avons pris fonction, nous avons donné une importance capitale aux Jeux Olympiques. Ce qui est faux. Ilias Onoway, comment va-t-il, Ilias? Ce qui est faux, moi j'ai ton discours, c'est-à-dire j'ai pris ton discours. Ton discours d'investiture en tant que chef du gouvernement, ministre des Sports, par rapport à ce que tu racontes. Et je remercie ceux qui sont allés faire les commentaires. Il y a d'autres qui ont écrit en bas. C'est pas ce que tu disais lorsque tu prêtais serment. Dans ma junior, comment va-t-il m'en demande ça? C'est, voilà, vous pensez que les gens ne vous suivent pas. Les gens ont fait les captures de camp de tes propos lors de ton investiture par rapport à ce que tu as dit. Tu dis carrément, M. Bogolan, là-bas, d'abord, je rappelle que tu es un libéré, nous ne sommes pas contre les libérés, tu es un libéré qui a emprunté notre nom de famille. Sinon, tu n'es pas Guinéen, tu es un libéré. Donc, je continue. Voilà ce que tu dis, que depuis que nous avons pris fonction, nous avons donné une importance capitale aux Jeux Olympiques. Alors, quel est le résultat de le bilan? Il faut faire le bilan. Et tu continues. Nous avions dit qu'il faut donner une envergure à ces Jeux. En Guinée, tout le monde ne connaissait que la CAN. D'abord, c'était en train d'insulter la population guinéenne. Et pourtant, cette population guinéenne est extrêmement sportive. Cette population guinéenne est extrêmement sportive. Et puis, toi, tu n'es pas sportif. Tu ne connais même pas ce qu'on appelle sport. Tu es en train de m'énerver. Regarde ce que tu dis. Tu dis carrément... Tu es en train de regarder ce que tu dis, que
Eh, nous avions dit qu'il faut donner une envergure à ces Jeux, c'est-à-dire aux Jeux Olympiques. En Guinée, tout le monde ne connaissait que la CAN et la Coupe du Monde. Toi, tu peux jurer que les gens ne connaissent pas les Jeux Olympiques. En Guinée. Non. Pour faire la promotion des 40 disciplines que nous avons, il fallait montrer qu'il y a un autre jeu plus important qui met en valeur toutes les disciplines. C'est pourquoi nous avons fait une grande communication ces derniers mois. Et nous nous sommes battus pour que l'équipe de football se qualifie. Et puis tu continues. Que cela a permis aux Guinéens de comprendre que les Jeux Olympiques, ce n'est pas pour les autres. Et c'est plus important que tous les autres toutes les autres compétitions. Et cela permet de faire la promotion de toutes les disciplines. C'est la première fois que nous avons eu 5 disciplines dans 28 athlètes qualifiés et 3 autres paralympiques. Ce qui est faux. Je vais terminer par là. Parce que tu m'énerves. Voilà là où tu m'as beaucoup énervé. Et voilà. Tu dis ici carrément que nous avons des jeunes athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques pour la première fois. Ils ont encore le temps de se performer. Nous avons aussi des athlètes qui sont à l'intérieur du pays dans beaucoup de disciplines. Nous avons 4 ans pour avoir des qualifiés pour les Jeux Olympiques de Los Angeles. Et voilà ce que tu dis, que c'est ce que nous savons, nous avons voulu associer nos artistes à ces jeux. Il était question de mettre en valeur nos artistes à Paris. Quel artiste? Hein? Quel artiste? Et puis de continuer, que notre objectif, ce sont les Jeux Olympiques de Los Angeles. Je prie le Tout-Puissant Allah que les Jeux Olympiques de Los Angeles ne vous trouvent pas au pouvoir. Que Dieu fasse ça pour nous. Je vais terminer par Monsieur Baoury. Monsieur Baoury, vous avez vu que vous êtes inquiet, Monsieur Baoury. Oh, no, you're me, parce que vous êtes inquiet. Vous avez fait une déclaration que j'ai suivie moi-même personnellement. Et je vais la lire. Vous dites dans votre déclaration. Parce que j'ai pris la musique de DK pour faire le parallèle. Parce que, quelque part, vous avez compris que toutes les tueries, les kidnappings, les disparitions ne resteront pas comme ça. Ce qui me plaît chez toi, là, tu es très conscient. Tu es intelligent. Tu es conscient des dangers. Tu sais, tu t'es projeté dans le futur. Après Mamadi Doumbouya, ce qui va se passer. Automatiquement, tu as vu au procès du 28 septembre, tu étais un témoin. Tu n'étais pas responsable. Mais tu as compris par là, les prochains procès, tu ne seras pas un simple témoin, mais tu seras un accusé. Tu seras un accusé, M. Baoury. Parce que ce que tu dis est réel. C'est à cause de ça. Doumbouya sait très bien que tu es très intelligent. Il le sait. Et tu le sais très bien qu'il y a trop d'ethnos autour de Doumbouya. Et tu sais ce qu'on dit des autres ethnies. Tu le sais. Tu fais semblant. Tu le sais très bien. C'est nous qui avons refusé d'avaler ces propos. Nous avons refusé. Ils ont peint. C'est lourd comme un danger pour ce pays. Kalbatou m'a dit qu'elle est là. Foulal Bamanseata. Ceci, c'est là. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. À plus fort, Aïba Foulal, Aïba Mansa dit ce seulement. Tout cela a été dit. Ils ont voulu nous faire avaler ça. Nous avons refusé. Moi-même, on dit, ah, lui, c'est un beurre, c'est une bêtise. Ça. Donc, c'est pas la peine de compter sur lui. Tu le sais très bien. Bah oui. Et voilà ce que tu dis. Et qui est réel, hein, Kokonga. Ce que tu dis là, c'est vrai. Tu n'as lu. Ce que tu dis, c'est vrai. Je vais le lire pour tout le monde. Vous dites, M. Baoury, que nous n'avons aucun intérêt qu'on nous reproche des disparitions, des tueries,
Tu dis, mais objectivement, connaissant l'histoire de ce pays, hein, certains estiment que pour gêner l'action du gouvernement, l'action gouvernementale, il faut créer des problèmes. Si ce sont des manifestations pacifiques, il va de soi que ça n'aura pas d'impact sur le plan médiatique. Mais il faut aligner des morts, ensuite brandir cela comme des trophées pour dire que les autorités guinéennes usent de violence contre des personnes. Nous n'avons aucun intérêt à perpétuer cela. C'est ce que tu dis. C'est-à-dire, tu es en train de nous accuser, de provoquer, c'est-à-dire, c'est par notre faute, si le CNRD tue les gens sur l'Axe, le CNRD tue les gens sur Bambeto, Kosa et autres. Oui, c'est notre faute, quoi. C'est-à-dire, nous prenons les gens pour qu'on les tue, on met ça sur eux. Et pourtant, ce Baoui, ce n'est pas comme ça. Au moins, mais ça là, M. Baoui, ça là, c'est trop facile de mettre sur nous les tueries. Parce qu'aujourd'hui, nous avons décompté, c'est combien? 57 morts. C'est-à-dire, ça, ce sont les civils. Il y a eu 57 civils morts. Mais c'est bon, oui. Plus maintenant les militaires disparus. Aujourd'hui, les ONG, aujourd'hui, ont fait le compte. Nous sommes aujourd'hui à 69 morts. Au compte de qui? Au compte de tous ceux qui ont travaillé avec Mamadi. Monsieur Barry, je pense que le chiffre est en train de vous donner quelques traumatismes, parce que 69 morts, ce n'est pas 60 personnes, ce n'est pas 6 personnes, ce n'est pas, monsieur Bob, c'est beaucoup. C'est ce que Guy Marquis disait, parce qu'en ce temps, la comptabilité était à 47, il s'est limité juste aux civils. Mais aujourd'hui, le chiffre est là-bas, hein, ce sont des données écrites par les ONG, vérifiées, documentées. 69 morts au jour d'aujourd'hui. Et ce qui vous fait peur, M. Baoui, ce qui vous fait peur, c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui, on vous parle de 2300 milliards qui ont été empochés, qui ne sont pas rentrés dans les caisses de l'État. Il y a des agences aujourd'hui qui utilisent le mandingue. Comme ils ont échoué dans la communication, ils ont échoué. Ils ont totalement échoué dans la communication. Comme ils ont vu qu'il ne peut pas me... Bon, il ne peut pas convaincre Damaro, il ne peut pas me convaincre, il ne peut pas convaincre Mamoudou. Ils ne peuvent pas. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas. Ça ne peut pas marcher. Ils savent très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent en inbox. Benito, il ne peut pas m'attaquer. Moi, j'ai dit à n'importe qui. Tu m'attaques, j'attaque le ministre qui te finance. C'est tout. Vous savez, ils ont arrêté de nous attaquer. En écrivant, en commentant, je attends. Parce que, vous vous rappelez, il y a deux semaines de cela, je faisais attaquer les ministres. Ces ministres-là, c'est eux qui les financent. Ces ministres-là veulent même qu'on détruise les RPG. Ces ministres-là ne veulent pas le retour d'Alpha Condé. Ils ne veulent pas entendre parler de Selou. Ils ne veulent pas entendre parler de Sidia. Non, ce sont ces ministres-là qui font des campagnes pour dire non, on doit suspendre les partis qui ont longtemps participé à les élections dans ce pays. Ils ont passé par tous les moyens, ils ont compris que nous ne cédons pas et que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? C'est venu en inbox. Benito, nous, on ne veut plus te suivre parce que, franchement, tu es presque le porte-parole de cette grande union. Parce qu'il ne peut pas aller au siège pour le dire. Le siège du RPG est très bien contrôlé. Là-bas, là, on parle de coalition au siège du RPG. C'est la coalition des trois grands partis politiques et la société civile. C'est ça. Même le professeur Alpha Condé a validé ça. Maintenant, moi, j'ai fait très simple. J'ai dit, regardez-moi, celui qui me suit, celui qui vient sur ma page, je vais insulter ses parents. Donc, ne venez
pas sur ma page. Je l'ai dit, moi je l'ai fait en vocal pour que ça reste dans leur inbox, pour qu'ils gardent. Je dis, gardez ça en inbox, gardez pour vous. Moi je préfère aller vers l'IFDG, l'IFR, la société civile, au lieu de m'associer à un assassin qui a des comptes à rendre des jours. Est-ce que quand vous regardez la situation, l'IFDG a des comptes à rendre? Non. L'IFR a des comptes à rendre? Non. Le RPG a des comptes à rendre? Non. Alors, ce dernier a des comptes à rendre. Donc, vous voulez que je m'associe à quelqu'un qui a des comptes à rendre? Comment vous expliquez ça? Des moutons. Des moutons. Comment je dis, quel est le manquerait là? Vous êtes des moutons, des vrais moutons. Parce que simplement vous êtes des ethnos. Ce n'est pas vous, hein. Les ethnos viennent sont autour de Mani Doumbia. Et ceux qui étaient, il y a certains qui étaient autour d'Alpha Condé qui étaient des super ethnos. C'est ce comportement-là qui nous a envoyé dans ça. Dans l'affaire de Mani là, c'est le comportement de certains. Coûte que coûte, c'est ça. Il faut un ça, un mandingue. Il faut ça. C'est ce qui nous a envoyé dans ça. Et aujourd'hui, les gens ont compris ça. Maintenant, regarde, c'est une portion, une petite. C'est-à-dire que ce sont des petites personnes, munies d'un petit esprit. Sont pas, oh, la plupart ne sont pas à l'école. Même ceux qui sont allés à l'école sont très intelligents souvent. Mais là, il ne reste, c'est l'école qui les manque. Donc, c'est ce que Yannick disait tout de suite là. Voilà, ils ont quitté Facebook, ils sont sur TikTok en train de souffrir là-bas. Sur TikTok. C'est ce qui fait que des fois, quand Yannick part là-bas, Yannick est parti, je le suis une fois sans le dire, il est parti les attaquer là-bas. Yannick est parti, il a dit là-bas, non, vous êtes. Bon, il connaît, il ne peut pas attaquer le monsieur. Quand tu vois Yannick dont je vous parle comme ça, là, c'était les grands sapeurs de Cancan, quelqu'un qui s'entretient très bien. Il n'y a pas un animal de Cancan qui peut parler devant lui. C'est quelqu'un qui s'entretient très bien, qui s'occupe de sa famille. Donc, tu n'as rien à cracher sur lui. Monsieur Baouri, je vais terminer. Voilà ce que vous avez dit encore aujourd'hui. Monsieur Baouri, c'est vous qui menacez les gens aujourd'hui, monsieur Baouri. Voilà ce que vous avez dit. Vous dites que ceux qui s'amusent avec les manifestations, la puissance publique doit aussi aller jusqu'au bout, monsieur Baouri. Moi, je garde votre phrase là. C'est vous qui l'avez dit aujourd'hui, hein, monsieur Baouri. Que ceux qui s'amusent avec les manifestations, que la puissance publique doit aussi aller jusqu'au bout. Les intellectuels savent de quoi. C'est-à-dire, quand vous dites la puissance publique, c'est-à-dire, vous avez la justice, vous avez la gendarmerie, vous avez toutes les unités, c'est-à-dire les forces de répression. Quand vous parlez de la puissance publique, c'est ça. Donc, M. Baouri, moi je ne verrai pas ici un peuple aujourd'hui, un jour dire devant la barre, non, avec Poulon, que nous, ce n'est pas affaire de Poulon. Heureusement, ce n'est pas affaire de Poulon. Hein. Voilà pourquoi nous montrons tous vos propos. Nous répétons tous vos propos. Personne ne vient de non. Parce que quand un peuple devient président, on dit non, c'est un règlement de compte. Non. Oh non, non, non. Celui qui est fautif là, il va répondre. Ce n'est pas un problème de peuple, ni de Maliké, ni Ala, ni Mansa, ni Foulakera Mansadi. Il est Manikake, il est Kafri, il a propos Yambulanda, la Banda Yaduyala. Anda Yaduyala. Et puis, qui a tué Sadiba? C'est un Maliké qui a tué Sadiba. C'est un peuple qui a tué Sadiba. Vous étiez là, M. Baouri, vous n'avez rien dit. C'est devant vous, hein, M. Baouri. Lorsque Alpha Condé avait arrêté Fonny Kemangé, vous avez réagi et puis vous avez menacé. Aujourd'hui, ce Fonny Kemangé a été tué par ce régime. Moi, je peux dire par votre gouvernement. Parce que vous êtes le chef du gouvernement. Donc, par votre gouvernement. Parce que toutes les structures sont sous vos ordres. Monsieur Baouri, Monsieur Baouri, je vous verrai devant la barre et je m'assurerai que vous pleurez. Vous pleurez devant la barre. Vous paierez le prix cher. C'est des jeunes de Bambeto Koza, Hamdallah, qui sont en train d'exécuter. Et aujourd'hui, vous menacez
Vous menacez. Aujourd'hui, vous menacez. Monsieur Barre, quand vous me voyez comme ça, est-ce que je parle de forestier ici? Je ne parle pas de forestier. Nous, nous sommes derrière. Aucun forestier ne fait partie de la compétition politique dans ce pays-là. Nous, nous supportons les autres. C'est ça notre travail, nous, les forestiers-là. Nous sommes des moins qui rien. Nous, nous supportons les autres. Nous ne sommes pas concernés. Nous ne sommes pas concernés. Voilà pourquoi je parle de Peul, de Soussou et de Malinké. Nous ne sommes pas concernés. Et mettez-nous de côté. Même on dirait là, M. Ba, vous ne sortirez pas dans ça. Parce que vous vous battez aujourd'hui pour une élection où vous irez au second tour avec Mamadi Doumbouya. Parce qu'aujourd'hui, c'est la formule du Tchad que vous voulez. Sauf que le Tchad est en froid avec la France. Le petit débit là, il s'est rébellé contre la France. Le petit débit travaille avec les Russes, avec les autres pays, avec les Turcs et autres. Le petit débit du Tchad, il a pris Macron en contre-pied. Vous avez demandé à Macron de vous aider pour que Doumbouya soit candidat, qu'il soit candidat et que vous retrouvez au second tour. Et pensant que tous les peuples vont voter pour toi, je parie, si tu arrives au second tour, mais on dit, Allah, aucun peuple, un peuple noble, ne va voter pour toi parce que tu n'es qu'un simple traître. Parce que, d'abord, aucun peuple ne va se salir. Parce qu'à Gagnotako devant Mamati. Ça dit, c'est un rêve. Parce que tu vas vouloir créer le chaos. Dans Andoumama, je te connais. Moi, quand tu commences à parler là, je regarde tes lèvres. Ça dit, les lèvres là, je regarde comment tu t'exprimes. Quand on me dit tout des belles paroles d'infos, c'est là-bas, je puise tout. Aujourd'hui, c'est toi qui menaces. Voilà ce que tu dis. Hein. Ceux qui s'amusent avec les manifestations, la puissance publique doit aussi aller jusqu'au bout. Parce que tu menaces. Portez-vous bien. Mais non, Alama, dans ce pays-là, tu ne seras jamais président. C'est-à-dire que vous vous êtes arrangé entre vous, toi et Ousmane Gawal, pour empêcher celle d'être président. Tu sais, on dit ton ennemi là, il est tout autour de toi. Si c'est nous là, je l'ai dit depuis 2020, avant le coup d'État, je l'avais dit, si c'est nous, c'était rapproché du Porsa Fakonde. Mais Allah, aujourd'hui là, il devait être le. Ça dit, hey, tu ne connais pas Fakonde. Taguez-le comme vous voulez. Mais il y avait toi, il y avait Ousmane Gawal, il y avait certaines personnes. Quand j'ai écouté la sortie de Petit qui a été là, allez-y écouter les propos de Petit. Petit parle de jeunesse. Le bal n'est pas un jeu. Si on parle de jeunesse, Ablaye Bala n'est pas un jeu. Mais c'est Petit. Petit, j'ai oublié. Ce n'est pas ton cas qui m'intéresse ce soir-là. Tu parles de Petit dans ton discours. J'ai ta vidéo ici. Tu parles de nous devons renouveler la tête du parti, les jeunes hommes. Mais Ousmane Gawal, monsieur Petit, il y a ce qu'on appelle le respect hiérarchique. Quand tu regardes l'IFDG, qui veut apprécier lui? Si ce n'est pas perturbé, pas gagné, qui vient apprécier lui? Je suis d'accord avec toi si tu parles de renouveler les instances, tu parles de jeunesse. Mais quand on regarde selon les statuts et les règlements de l'IFDG, qui vient la liste de ceux qui viennent apprécier nous. Ceux qui viennent apprécier nous. Ousmane Gawal est en comité en position, monsieur. Non, monsieur Lamaran Petit, vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez pas d'argument. C'est à cause de ça que nous refusons que les gens manquent de respect à Alpha Condé et manquent de respect à Dr. Kassouri. Hein? Parce que quand on regarde le RPG là, ceux qui parlent là, ceux qui parlent, mon médecin Touré là, quand vous faites le classement de ceux qui doivent succéder à Alpha Condé, c'est des gens qui ne veulent même pas en 50e position. Maintenant, si ce n'est pas perturbé, hein, comment on appelle ça on appelle ça. Comment on appelle. Bon, je vais le dire en poulard. Nyakingol quoi, en poulard. Je ne connais pas comment on appelle en malinké. Nyakingol. Katadi, Fala Katadi, on est parti. Si ce n'est pas ça. C'est pas Katadi. La main, apporter la main, perturber la malchance au parti.
sinon il y a qui gore parti au gore kata parti au bon end parti une gore c'est un parti indiscipliné sinon le grand de ordre qui vient après c'est nous par ordre les gars là quand tu dois choisir tes partenaires là il faut le choisir très bien. Bonne nuit, portez-vous très bien. Monsieur Baouri, vos propos là, mangez les gardes. Bon, on t'y marraine doucement.